Donc c'est pendant que Sparks manifeste son enthousiasme à l'idée de repartir à l'aventure que je reprends Spyro sous un jour un peu plus paisible après avoir enfin battu Vol de Nuit. Je tiens à m'excuser par avance pour peut-être le montage quelque peu chaotique de l'épisode précédent. Je sais pas comment j'ai fait pour me faire toucher. Voilà. Donc j'ai appris à maîtriser un peu mieux le jeu quand même, hein, je vous rassure. Et on va partir sans plus attendre vers le canyon aride. Voilà. Ouh, ça change. J'avais oublié ça. Que le fait que les New York avaient des pistolets, enfin des fusils. J'avais complètement oublié. Ah non, ça... Non, le petit lapin. Alors ça, on se fout dessus. Ah mince, je vais pas le faire dans ce sens-là, parce que... Faut savoir que si on arrive à souffler dans ce sens-là, on peut arriver à shooter le vautour au-dessus. Mais non, je ne pourrais pas vous en faire la démonstration, malheureusement. Alors là, il y a la momie, normalement. C'est un peu le bazar, là. Ouh ! Elle trace, hein. Oh, il y a eu un bug ! Il y a eu un bug, j'aurais dû en profiter ! Il y a eu un bug, j'aurais dû en profiter ! Et je n'en ai pas profité. Ah ! Ah non, 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 ne me tirez pas dessus, je suis innocent. Bah, disons, t'as bien bugué, ma belle. C'est littéralement manger le mur. Par contre, il saute... Oh, la vache. J'ai couru droit dedans. Je vais avoir les musiques là dans la tête toute la journée, ça va être horrible. Enfin, horrible. Elles sont quand même assez mélodieuses. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont atténué certains passages des musiques. On avait l'impression qu'il y avait comme un coup de guitare électrique. Pourquoi j'étais en bleu d'ailleurs? Ah bah oui, je me suis pris une balle tout à l'heure, c'est pour ça. C'est pour ça que Sparks est vert. Alors petit lapin, pour le coup j'ai besoin de vous. Voilà. T'es où? Ah. Ah, une vie? Oui, une vie, super. On n'avait pas de ça dans le jeu de base. On n'avait pas la même chose que dans le 2 ou le 3 où il y a possibilité de tuer des ennemis. Et on a une chance sur deux d'obtenir un papillon bleu pour avoir une vie supplémentaire. Par contre, ils font un peu des bruits de corbeaux, les vautours. Je sais pas si... Je sais plus quel est réellement le cri d'un corbeau. Alors, là, ça va être drôle. Parce que là, ça va faire comme dans les Sopé des Merveilles. Il va se servir de l'oiseau comme d'un outil. Ah, c'est... J'ai pas forcément bien vu, mais c'est... Oh non. J'ai plus de libellule. Zut. Bah bien sûr. Mais oui, mais quoi de mieux que pour mourir que de courir dans l'eau? Enfin, je sais pas trop ce que c'est que ce truc, ça m'a l'air un peu radioactif. Ou alors c'est rempli de crevettes, je sais pas. Il a même pas le temps d'attaquer. Tirez-vous dessus. Et ça fait... Est-ce que ça fait un achievement si on les pousse à se tirer dessus? Alors par contre, c'était quoi les points de compétence dans le carnet? Là... Ah oui,
oui, non, c'est dans les grottes élevées qu'il y a un tableau caché. Et Dr. Shemp, alors c'est en parfait qu'il faut le faire. Voilà. Je n'avais même pas libéré le pauvre dragon. Hein. Conan. Quoi? Hein? Oh. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Alors, j'ai pas vérifié, mais normalement, ceux qui disent merci de m'avoir libéré, ce sont les jumeaux des d'autres dragons qu'on a libérés auparavant. Mais j'avoue que là, je n'ai pas réussi à savoir lequel... Oh bah, il fait plus de cris quand il tourne, lui. Ils lui ont enlevé son cri. Parce qu'il faisait vraiment un bruit de corbeau qui tourne, en fait. Waouh! Je trouve que je touche un peu trop facilement. Alors, Spark s'est fait quelle tête quand... Oulala, elle a l'air un peu... Je sais pas si c'est une crise d'angoisse ou quoi, mais... Elle a pas l'air forcément très joyeuse quand elle est en bleu. Est-ce qu'il y a d'autres lapins? Est-ce que les lapins ont respawné? Bon, toi dégage. Voilà. Normalement, d'avoir une meilleure tête, là. Ah oui, elle est en meilleure forme. Le dragon, c'est bon, on peut monter. Alors, quelle tête est faite quand elle est verte? Elle essaye de garder la forme, mais c'est dur. Oh là, oh là. Eh, allô? Non, je veux... Qu'est-ce que c'est que ce bord? Ah, d'accord. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Du mal à les enchaîner par contre ceux-là. Ouh là 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 là. Ça m'a frôlé les moustaches. Oh oh oh. Je vois plus où je vais, je sais plus où je vais. Voilà, t'as même pas le temps de tirer. Non mais... Et j'ai du mal avec les commandements. Alors... non, c'est pas celui-là, parce qu'il y a... Il y a un dragon, il fait que de trembler, c'était assez marrant à voir en animation, je sais pas si c'est lui. C'est toi, Spyro, le jeune dragon dont j'ai tant entendu parler. Alors que tu ne crachais encore que des volutes, on savait que... On savait que... Ah, j'ai oublié. Ça servait à quelque chose. Oh mais non mais... A chaque fois à une frame près hein. C'est pas terrible comme performance. Heureusement que ça a sauvegardé à côté. Ah mince, j'ai cru que c'était un corbeau de loin. Oh! Oh, et je bouge comme si ça changeait quelque chose en plus. Hein. Okay.
Oh, par contre, c'est la caméra. Est-ce que je l'ai changé de position? Bah ouais, pourtant. Là, la petite vie qui fait du bien, là, en face. Je me suis proprement mangé le coquillage. Voilà, 11 vies. Enfin, maintenant vous pouvez les voir, je sais même pas sûr que ça sert à grand chose que je le dise maintenant. Ah, les fameuses ombres. Oh, super, elles sont classe. Elles sont très très classe. Alors je n'irai pas là-bas tout de suite, parce que je n'ai pas la clé pour le coffre. Oh! Alors c'est les lapins en bas que j'entends. Oh non, mais... Ah voilà, j'espère bien. Ah, ils ont gardé... J'avais pas fait gaffe, hein, mais ils avaient gardé le même bruitage aussi pour signaler qu'il y a des dragons en proximité. Wow. Le canyon aride récompense les bons planeurs. Tu sais bien planer, hein, Spiro? Je suis né pour planer. Ouais, c'est là. Bon, c'est bien, ils ont amélioré les montées, enfin le mouvement de Spiro pour monter les pentes, parce qu'avant il était lent. Et qu'est-ce qu'il était lent ? Là normalement. Oula, 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 oula. La clé. Maximus. Ah. Quel vol plané, Spiro. J'ai cru que je resterais bloqué avec ces affreux vautours autour de moi pour toujours. Ils ont l'air méchants, mais ils sont délicieux. Grillés à point avec une pincée de sel. Voilà, la fameuse clé. Du coup... Eh ben, on peut aller là. Même pas le temps de réagir. Trop fort. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire le tour... aller sur l'île. Alors, faut pas que je me loupe. Faut surtout pas que je me loupe. Yes. Merci. Alors, je viens de voir. Je viens de voir la première partie de l'enregistrement. Et effectivement, le coffre a explosé. Et j'ai pas pu récupérer son contenu. Je vais voir ce que ça donne, hein. Je vais perdre bêtement une vie. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais bon. Il y a un tourniquet là-haut, c'est pour ça. Je viens de le voir. En fait, non. Le coffre, ça m'a bien enregistré comme quoi j'avais eu tous les gemmes. Mais j'ai pas vu l'espèce de tourniquet.
batterie faible. Oh, décidément, j'ai pas de chance moi avec mes batteries aujourd'hui. L'énergie a-t-elle été bue par une... Je sais pas... Une quelconque puissance extraterrestre. Hashtag confou inutile. Oh, on va se calmer là les gars. Ça, c'est des fans de la NRA ou quoi? Arrêtez de me tirer dessus. Allez, je me casse. Bon, bah ça c'est bon, c'est fait. Alors par contre, si ma batterie est faible, on va faire un petit échange parce que l'autre batterie était faible également. Je crois que niveau batterie, on n'est pas plus avancé avec la deuxième, mais bon, ça devrait faire l'affaire. Village perché, il a été fait. Vol de nuit, c'est fait. Caverne de glace, maintenant. Le niveau que je déteste le plus dans ce monde-là, parce que le sol est une vraie savonnette. C'est une véritable patinoire. Ce que j'aime bien faire avec ce niveau, c'est le faire à l'envers, parce qu'il est possible de le faire à l'envers. Je dirais même que c'est plus pratique de le faire à l'envers que de le faire à l'endroit. Waouh! Waouh! On y voit clair! C'est un miracle, on y voit clair! Parce qu'on avait comme une espèce de brouillard qui nous empêchait de voir. Ah, oh, c'est super beau! Alors, normalement, pas que je me plante. Voilà! Ils sont super beaux. J'adorais cette musique là. Alors, je sais plus si y a des trucs là. Est-ce qu'il y a des choses là? Non, y'a rien. Ouais, donc la fin est ici. Comment éviter un choc? Oh, merci de m'avoir libéré, Spiro. Alors, où en étais-je? Lui, il devait être en train de faire un cours quand il s'est fait cristalliser, ou un truc du genre. Ah! Alors, faut monter là. J'y vais mollo, hein, parce que... Déjà, de base, j'ai du mal avec ce niveau. Ah ouais, ceux-là, ils sont... Ah ! Super ! Encore ! Oh, la chauve-souris, par contre, elle est moche. Hein. Oh là là ! Oh mon dieu, elle a une sale tête. Redescends de là que je te regarde. Ah, une chauve-souris, quoi. Ah, reviens de là! Voilà. Ah, 3! Eh ben, mes aïeux. Des fois 2, ça suffit. A chaque fois je me prends ces boules, c'est sûr. Ah non, c'est... faut se cogner. Voilà. Oh, j'adore le petit goût en arrière-plan. Oh punaise. Triathlon. C'est quoi comme comme trophée? Rare, battre les trois Niorques à ski.
ça va. Ah, c'est... Bon, tant pis. J'ai... Ah ! La chauve-souris qui vient me chatouiller le nez pour me narguer. Et que je ne brûle pas parce que je suis trop stupide. Oh là 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 là. Oh, c'est un truc qui est quand même particulier. À moi tout seul, je devrais être capable de faire fondre ce glacier. Voilà. Ah, ça me l'a pas pris en compte. Si, ça me l'a pris en compte. Voilà. Il y a de l'eau là en dessous. J'ai entendu le New York tomber dans l'eau. Oh, Ragnar. Tu as fait du bon travail, Spyro. Certains dragons pensaient que tu n'étais pas prêt, mais je savais qu'ils se trompaient. Je suis toujours prêt. Prêt pour quoi? Je sais pas. Prêt à... À sortir de ton trou, alors que tu n'es encore qu'un petit dragon. Ouais, on glisse quand même bien. On glisse quand même bien. Oh, il m'a quand même eu. Oh la vache. On va aller jusqu'au bout là. Normalement là où il y a une clé, voilà. Merci de m'avoir libéré. Ça fait bizarre dans cette version là. Voir les dragons dire merci de m'avoir libéré est assez bizarre. Parce qu'on a l'impression qu'ils le disent sans grande conviction en fait. Oh, quel débile. Oh, tant pis. La chauve-souris, je verrai ça plus tard. De toute façon, là, il n'y a plus beaucoup d'ennemis. Wow. Spyro, il y a des grands gnorques là-bas qui portent des armures. Et dans les cavernes de glace, leurs bottes en métal glissent beaucoup. Oula, oula, oula. Doucement. Voilà. Voilà. J'y vais avec prudence. Ski. Normalement, il y a une plateforme. Ah bah oui. D'accord, j'avais pas bien vu. Oui.
file dessus. Plus qu'à faire tout le tour. Voilà. Zut, il en manque un. Sparks, il est là. Ouhouhou. Wow. Un mot d'avertissement, mon petit. Attends d'être aussi grand que moi avant de charger ces grands ennemis. À supposer qu'un jour Spyro soit réellement grand. Ça, c'est pas sûr. Quatre. Alors, je crois qu'il y a. Voilà. C'est ça. Normalement, tous les dragons, voilà, ont été trouvés, donc on peut aller jusqu'à la fin maintenant. Bah, je suis bête. Je peux faire le tour par là. Alors, que je réfléchisse. On a fait les cavernes de glace, on a fait Vol de nuit, on a fait le village perché, on a fait le canyon aride. Et bah, il me manque plus que le fameux Dr. Shemp. Et on a fini le monde. Donc il faut que je fasse un perfect là-dessus. Il faut que je fasse un parfait. C'est moi qui arrive. Je crois que c'était le boss que j'attendais le plus, Dr. Shemp. Parce qu'il est... Il est juste délirant. 2700 et on a besoin de 1200. Je pense qu'on est large. Oh, c'est l'éclipse en plus. Waouh. Trop bien refait. Hello, 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 hello. Ah. Et oui, très cher, j'étais ton fils, désolé. Toi, tu vas pas pouvoir me choper. Oh, c'est dommage, il reste bloqué là parce que normalement il se jette dans le vide. Bah, c'est ça. Ah, oui, d'accord, ils transmettent automatiquement la gemme. Ok, on n'est pas obligé d'aller la récupérer. Et après, il y en a qui disent que Spyro est fait que pour les enfants. Ah, punaise de punaise. Alors, est-ce qu'elle peut faire une perfect? Ça comprenait le fait de ne pas se faire taper à coups de louche. Que là je c'est mort en fait, hein. Là, y a d'autres gemmes derrière et après on va pouvoir enfin aller vaincre le docteur hippie. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait monter là, je l'entends d'ici le gars en plus. Et normalement la gemme violette toute seule isolée, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi dans le jeu original ils avaient mis une pauvre gemme en haut. Donc la clé du coffre est là. Et le coffre est carrément de l'autre côté après le boss. Il est super. Il est super. Le docteur Shemp se croit tellement cool.
Tu sais pas ce que c'est que de l'entendre parler encore et encore. Mais laisse-moi te dire un truc. Il devrait surveiller ses arrières. Alors. Ah, les plateformes sont pas pareilles, donc il y a possibilité de les zapper si on veut. Oh, il est trop bien fait. Alors. Hello! Oh, oh. 199, ça sent pas bon, ça, je sens qu'il m'en manque. Oh, j'ai réussi à me faire avoir. Ah, il tourne trop vite. Zut, du coup j'aurais pas mon parfait. C'est faisable, mais je pensais pas qu'il était aussi rapide. Ok. En fait, je crois que ils ont accéléré peut-être les mouvements de certains persos parce que moi, je suis pas habitué à cette vitesse-là en fait dans le jeu. Ah, je vais peut-être récupérer une 13ème vie. Bah non, ouais, parce qu'après je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore battu. Voilà, point de compétence obtenu. Ah oui, ça me l'a quand même compté, même si je suis morte en fait. C'était que sur le boss, c'était pas sur le niveau. C'était que sur. Non, c'est pas ça que je vois. Non, carnet. Ah, c'est ça. C'était sur le boss en lui-même, c'était pas le niveau en fait. Bon. Et bah, la prochaine fois, ce sera un niveau du monde des magiciens. Les hautes grottes. Enfin, ils ont appelé ça les grottes élevées, mais moi j'ai mémorisé ce niveau comme s'appelant les hautes grottes. Il m'en manque encore un. Eh oui, j'en ai oublié un là. Sparks, c'est de ta faute. Ah non, 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 restez. Attends, je vais pas quitter maintenant. Oui, quitter. Revenir au monde des pacifiques. Pour passer au monde suivant. Eh oui, mes amis. Eh oui, Jamy. Je n'arrive pas à croire que tu aies retrouvé si vite autant de trésors. Si tu es prêt, monte à bord et en route pour le monde des ouvriers magiques. Les ouvriers magiques, voilà. C'est pas le monde des magiciens, c'est le monde des ouvriers magiques.